Bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Zirlax. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de World of Minecraft. Et donc, voici le fameux épisode de la pyramide. Alors, attendez, je vais... ici, est-ce que je peux boucher quelque chose? Non. Alors, c'est quand même assez risqué. Je vais mettre des lumières ici. Alors, il commence vraiment à m'emmerder. Alors, c'est parti. Donc, je place des lumières en espérant que ça pop pas... Mais bon, les araignées peuvent quand même grimper, ça va être chaud. Ouais. Mais il faut absolument que je passe la nuit pour faire le trajet. Bon, il y a les prévisions d'un conflit avec un mob agressif. Ouf, même pas. Bon, eh bien, écoutez, c'est parfait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Là-bas, il y a un bandit. Rien. Là, il y a un bandit. Voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, hein, on est parti pour la pyramide. Donc, alors, hop. Alors, tout l'intérieur de la pyramide est en bedrock. En bedrock, en fait, c'est un matériau incassable. Donc, je ne pourrais pas tricher hein, pour aller vers le centre ni rien. Et donc, je vais devoir faire vraiment attention. Alors, lui, il s'excite sur un petit truc. Allez, hop. Moi, je ramasse. Bon, eh bien, écoutez, cette pyramide-là est la plus proche. Hein, pourquoi aller s'embêter en chercher une autre? Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des moments où ils sont agressifs. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Maintenant, à chaque animal que je vois, je sursaute. J'ai peur que ce soit un mob agressif et qu'il me tue en moins de 2 secondes. Bon, alors, c'est parti. On va aller faire cette fameuse pyramide. Alors là, il y a l'entrée d'une pyramide, mais elle m'a l'air pas très belle et pas très droite. Donc c'est pour ça que je ne passe pas par celle-là. Et maintenant, il faut que j'arrive à trouver l'entrée de celle-ci. Et je ne la trouve pas. Et là, il y a énormément de mobs agressifs. C'est assez risqué de rester là quand même. Bien écoutez, je pense qu'on va devoir rentrer dans celle-ci. Oulala, ce n'est pas bon du tout ça. Allez, viens là toi. Oh là là, je joue vraiment comme un pied. Voilà, ça fait du bien. Bon. Tu pourrais arrêter de bouger tous les 2 secondes, ça me ferait des vacances. Mais sous de moi lui hein. Alors à la base mes réserves de steak étaient pour ici à l'intérieur, mais bon, on fera avec. Bon, alors écoutez, bon bien, on va prendre celle-ci hein. C'est parti. Alors je me munis quand même de mes côtelettes du coup, hop. Pour éviter, de toute façon, eux vont bientôt céder, voilà. Et vous voici, voilà. Bon, et bien écoutez, c'est parti. Je me munis d'une nouvelle épée. Et en avant. Alors, par contre, je vais mal placer mes torches. Alors, plutôt que je les place là. Alors, par contre, je risque de me perdre, donc il faudrait que je fasse une sorte de chemin. Bon, ici déjà ça mène absolument à rien. Hop. Bon, pour l'instant, pas d'ennemis. Alors, par là, ça ne mène absolument à rien non plus. J'aurais peut-être dû prévoir. Ouais. Je pense que je vais aller rechercher quelques. Oulala, une mobi. Bon. De toute façon, il fallait que je sorte. Et vous allez voir pourquoi. Je vais récupérer de la terre, hop, et je vais bloquer en fait les issues à chaque fois qu'ils mènent sur rien. J'ai peur à chaque fois que j'entends des bruits. Donc ouais, j'ai un peu fait le bête là, je n'ai absolument rien pris, des pioches ou des pelles. Enfin bon, ce n'est pas grave, hein, tant pis. Hop. Bon écoutez, je récupère le maximum de terre et on se retrouve une fois que j'aurai récupéré tout ça. A tout de suite.
Alors, me revoici, donc je viens de finir de ramasser toute la terre. Et donc, en fait, ça va servir à boucher les entrées qui ne mènent sur rien. Donc, comme là, par exemple, vous voyez, hop, ça ne mène sur rien. Alors là, il faut que je fasse attention car j'avais vu une momie. Alors là, voici, la voilà. Il y en a même plusieurs. Bon, bien. Elle est tuée, je crois qu'il y en a une deuxième là. Oui. Voilà. Alors ici, ça ne menait sur rien non plus. Alors, revoici une momie. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Je crois qu'il doit y avoir un mob spawner pas loin. On va regarder. Il y en a ici. On va placer tout de suite ça. C'est bon. Alors, bon. La chose la plus importante, c'est de ne pas se perdre. Donc, hop, je vais mettre ça ici. Car je devrais aller par là, mais pas totalement le boucher car je n'ai pas encore exploré. Bon, alors par là ça ne mène sur rien. Hop, récupérer toujours ces torches. Par là non plus. Et donc là on fait le tour. Hop. Donc par là en général ça ne mène sur rien. Ouh là là là. Ça a quand même réussi à pop. Bon. De toute façon, il n'y a absolument rien là. Donc, on ne va pas traîner du tout. Hop. Voilà. Hop, je bloque ici. Et donc, eh bien, écoutez, on va continuer par là. Les bruits, j'aime pas trop. Alors là, je pense qu'il y a un problème. Car si là ça ne mène sur rien, ça veut dire que j'ai raté soit une entrée ou alors que tout simplement il est irréalisable. Ah non, là il y a bien, ça mène absolument sur rien. Bon, bizarre. Alors attendez, je vais revérifier ici. Maintenant, regardez, ça ne mène sur rien. Bizarre. Ouais. Vraiment étrange. Attendez. Je vais retourner voir là. Bon, forcément, il y a une momie. Voilà. Mettre le maximum de torches et écoutez bien, on va le détruire. Je sais pas si je peux le faire à l'épée, en tout cas ça a pas l'air de se détruire. Bon, attendez, je crois que si ça se détruit, voilà. Bon, alors maintenant on va être tranquille pour faire ça. Vous voyez que ça ne mène absolument sur rien. Regardez, on va défaire ici. Hop. Donc là, j'arrive là. Ça mène sur ça. Ah mince. Puis j'ai pas pris de pioche, vraiment. Là, j'ai fait le bête. Ah d'accord, donc je crois qu'en fait, il faut que je casse ici. Allez, d'accord. Bon. Alors écoutez, ce que je propose, c'est que on se retrouve tout de suite après. Je vais retourner chercher une pioche. À tout de suite. Alors me revoici. Donc vous voyez, je suis en train de me faire une pioche. Hein, hop. Donc j'ai mis mon atelier ici. Hop. Et c'est parti. Nous allons continuer cette fameuse. Oui, ça c'est bon. C'était cassé. Alors ça me paraît quand même bizarre hein, que. Donc soit c'est parce que la pyramide n'était pas en intégralité, vu de l'extérieur vous avez vu qu'elle n'était pas en intégralité, ou soit ben j'en sais rien, parce que là ça mène sur rien en fait. Alors hop,
Et donc vous avez vu un peu comment ça se passait dans les pyramides. Donc bon, ça mène sur rien. Et ça c'est du bedrock, bon. C'est vraiment étrange quand même. Hein. Alors écoutez, on va retourner là. Bizarre quand même. Absolument rien du tout. Bon, et bien écoutez, hein, à mon avis c'est car cette pyramide n'était pas complète. On va récupérer tout ça. Et on va aller faire une autre pyramide tout simplement. Par contre, on la fera dans un prochain épisode. Hein. Hop. Mais au moins, j'ai vu à quoi m'attendre avec ces pyramides. Hop. On va récupérer l'atelier. Je ne peux pas. Bon, qu'est-ce que je jette? Je jette une côtelette, voilà. Bon, en plus c'est la nuit. Bon, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. Dans le prochain épisode, nous ferons une nouvelle pyramide, étant donné que celle-ci était incomplète, vraiment bizarre. Enfin bon, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à demain pour un nouvel épisode. Salut tout le monde!